L'ange numéro 53, Nanaël. Il régit du 13 au 16 décembre. Il est l'ange de la communication spirituelle. Il nous permet de mieux communiquer avec les autres de façon simple et bienveillante, mais aussi de rentrer en contact avec l'intelligence de l'univers en comprenant que la vie nous parle et nous communique à chaque instant si nous savons l'écouter et la décoder. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Communication spirituelle. Inspire à la méditation. Connaissance des sciences abstraites et de la philosophie. S'intéresse à la vie spirituelle et à l'enseignement. Fasciné par la contemplation des mondes supérieurs. Mysticisme. Aime la solitude et les états méditatifs. Facilite la communication avec le divin. Nous pouvons rectifier les faiblesses humaines suivantes. Communication spirituelle négative, extrémisme spirituel, essaye de persuader et d'imposer ses croyances aux autres. Non-respect du rythme d'évolution d'autrui. Veut convaincre et sauver tout le monde. Difficulté à méditer. Personne abstraite, tendance à fuir la réalité concrète, comportement autistique. Rejette la connaissance et la communication spirituelle. Ignorance. Se trompe souvent. Apprend difficilement. Peut entrer dans les ordres par peur d'affronter la vie. Difficulté à réaliser ses objectifs et à communiquer. Peur face aux tâches quotidiennes. Sentiment d'échec. Enseigne la spiritualité sans avoir acquis la connaissance. Recherche le pouvoir spirituel. Humeur mélancolique, isolement. Célibat égoïste. Difficulté à vivre en couple.
Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Chant, chanter, communication. Douce pensée angélique.